5 au 7 juin 2015, la ville de Mantes-la-Jolie et le parc des Expos a accueilli Bulle de Mantes, le salon de la BD, qui s'est divisé en trois secteurs. Premier secteur lié à la culture japonaise, avec de nombreuses animations, dont des cosplays. Et bien sûr, l'univers du manga. Et des jeux vidéo. Après, de nombreuses animations se sont retrouvées dans le parc avant d'arriver au secteur du kiosque à musique. Avec concerts à ciel ouvert, sous le soleil. Suivi d'une exposition de voitures, à première vue ancienne, mais liée à des BD, récentes ou anciennes. Cette exposition a conduit les visiteurs à la dernière partie du festival, le Hall 5, dans lequel se trouve le pavillon 9e art, la BD, où se sont retrouvés tous les auteurs pour dédicacer leurs œuvres, aussi bien auteurs, scénaristes que dessinateurs. De nombreuses associations étaient présentes, dont l'association Bulle de Mantes, qui est co-organisatrice du festival avec la ville de Mantes. Nous terminons ici avec un retour au pavillon de la culture japonaise et la remise des prix de cosplay. Donc jury, vous avez classé, vous avez fait un premier prix. Donc il va repartir avec une PS4 avec The Last of Us et Drive Club. Un prix costume, qui repart avec un lot d'anime. Un prix public qui repart avec Valor Book. Un prix prestation qui repart avec un lot d'animosi. Et un prix Bulle de Mantes qui repart avec un bon d'achat de 100 euros. À Valor sur les librairies du festival, donc dans le truc en bois, au bout. Ou ici, en manga ou à la partie BD européenne au bout. D'accord. On va commencer par le prix public. On fait dans l'ordre croissant. Pour le prix public, vous avez choisi le pilote de Titanfall, qui n'est pas là, il a dû repartir, il revient tout à l'heure, il a dit. Mais on peut l'applaudir quand même. Il revient. Ensuite, qu'est-ce que vous voulez? Le prix Bulle de Mantes, le prix public ou le prix costume? Le prix costume. Donc le prix costume... Donc, hop, avec un lot d'anime que vous allez remettre, hein, bien sûr. C'est un personnage de jeu vidéo, d'un RPG japonais, Chopin d'Eternal Sonata. Tu sais que t'as des escaliers de l'autre côté, hein, Christophe. Donc en gros, ils ont récompensé ton costume. À regarder en rentrant, tu ne dois pas être bloqué sur Netflix. Ensuite, prix public ou prix Presta? Non, prix public on a fait. Prix Presta ou prix Bulle de Mantes? Prix Presta, prix prestation, donc le jury a récompensé la meilleure prestation. Ils ont été unanimes. Avec donc les coffrets collecteurs de Full Metal Alchemist Brotherhood. Qui reviennent au groupe Mayotome. Donc vous n'avez pas cassé l'épée pour rien. Et le bras il se rallume ou il marche toujours plus? Non, c'est... Non, c'est... Il y a eu quelques petits dégâts. Donc félicitations. Bravo à vous. Reviens au crossplay d'Harry SNSD. Félicitations. Le premier prix.
remaster. Donc le premier prix, donc vous c'était ce qu'il y avait de mieux quoi, le Presta, costume, tout, c'était le top. C'était le meilleur costume que vous avez aujourd'hui. Vous êtes unanime? Presque. C'était un ensemble, c'était le... Voilà, c'était le numéro 1 de... Voilà, le... L'homogénéité de tout. Donc la première place revient à Clarissa. Je pense à ça. Alors on peut l'applaudir bien fort. Donc félicitations. Donc vous êtes en